Le lac depuis Bauduesme. Le lac depuis Bauduesme. Alors au départ de Bauduesme, j'ai choisi de ne pas suivre le GR parce qu'il faisait monter dans la colline pour redescendre derrière, c'est-à-dire au même endroit que là où passe le contour du lac. Donc je fais plutôt le contour du lac. Je m'évite le dénivelé du coup. Et puis surtout, je profite du lac. Et pour le coup, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne option. Parce que la trace du GR, eh bien, j'ai regardé par où elle passait, j'ai pas vu de points d'intérêt particulier qui justifie que je remonte là-haut. Alors certes, il y a certainement un panorama, mais j'en ai déjà eu beaucoup des panoramas, donc ça ne me manque pas. Ce matin, je préfère profiter du lac. Et je continue à longer les rives du lac avec un autre type de chemin, un peu plus étroit, mais quand même propre et agréable. Alors ça y est, j'ai récupéré le GR. Donc je comprends maintenant pourquoi le GR ne passe pas au bord du lac. En fait, il y a passé un moment.
Il est passé au bord du lac, mais les traces de GR qui sont présentes à un moment sont effacées, elles ont été raclées. Elles sont effacées parce qu'effectivement le sentier passe au milieu d'un pierrier. Un pierrier, alors c'est pas très long, il y en a pour 200-300 mètres. Mais un pierrier dans lequel il faut escalader puis après redescendre. Alors c'est pas très dangereux, mais je pense qu'il faut quand même être assez sûr de soi, avoir un peu d'expérience. Donc voilà, selon votre niveau, ben ça vaut peut-être le coup quand même de prendre le GR. Et voilà, j'arrive à ma première étape de la journée. Donc après les salles, vers l'est. On se rapproche de Moustier qui est à 8-9 km, à peu près 8 km, derrière cette colline là devant. Donc petite étape demain.